Le loup est une espèce de mammifère carnivore qui fait partie de la famille des canidés. Le loup est un grand prédateur menacé, faisant partie des mammifères les plus répandus aux quatre coins du monde. Le loup reste un animal fascinant qui est malheureusement menacé d'extinction, surtout dans l'Hexagone où la population s'est fortement affaiblie. Heureusement que cet animal a une capacité de dispersion très importante. Les caractéristiques physiques du loup sont très variables. Au niveau de la taille, il mesure généralement moins 1 mètre et 1,5 mètres du museau au bout de la queue, pour un poids approximatif de 40 kg une fois à l'âge adulte. Il développe une tête plus ou moins triangulaire avec un museau pointu, des oreilles dressées ainsi que des yeux brillants et foncés. La robe peut révéler diverses couleurs allant du gris au noir en passant par le marron et même le multicolore. Elle dépend de chaque individu et de chaque sous-espèce. Il faut savoir que dans le monde, il existe près de 15 sous-espèces de loups. Il a une espérance de vie très élevée puisqu'il peut vivre jusqu'à 16 ans en fonction de ses conditions de vie et de la sous-espèce. En règle générale, ce mammifère évolue dans les forêts, les prairies, ainsi que les montagnes. Il vit dans des tanières qui se trouvent près d'un point d'eau. Charognard et carnivore, le loup s'alimente essentiellement de viande. En Europe, il se nourrit de chevreuils, de cerfs, de mouflons, de chamois ou encore de sangliers. Au moment de chasser, il poursuit sa victime sur une vitesse de 50 km par heure puis la mord à la nuque ou au cou avec ses 42 dents et ses crocs qui font jusqu'à 7 cm. Il arrive également qu'il s'alimente de reptiles, d'oiseaux, d'insectes ou de batraciens. En cas d'absence de proie, il se rend dans les décharges pour trouver à manger. Le loup vit toujours en meute composée de 2 à 6 individus. En France, il était particulièrement très présent au XVIIIe siècle où la population s'établissait à 20 000 individus. Dans les années 30, le loup a disparu à cause d'une intense persécution à son égard. Il a fallu attendre une vingtaine d'années avant de le retrouver à nouveau grâce à une réintroduction. Comme ce mammifère a une forte capacité de dispersion, il a réussi à traverser les grandes infrastructures ainsi que les zones habitées pour atteindre les Alpes. Il préfère vivre dans les massifs qui lui offrent de meilleures conditions de vie. Les hurlements d'une meute constituent l'un des bruits les plus impressionnants des régions sauvages. Il s'agit d'un moyen de communication d'une bande à une autre. Les loups hurlent souvent spontanément, au lieu de rassemblement de la meute, aussi appelé lieu de rendez-vous. Il peut s'agir d'un « chant de joie », puisque les loups semblent y prendre plaisir. On a déjà observé des loups adultes de l'Arctique séparés de leurs petits par un torrent et hurlant pendant des heures, tandis que les petits s'agitaient frénétiquement de l'autre côté de la rive. Ces hurlements semblaient être une forme d'appel ou d'encouragement. On suppose également que les hurlements servent à avertir les autres bandes de loups qu'un territoire est occupé et à distinguer les meutes entre elles. Le loup est un animal territorial. Chaque meute occupe un territoire qu'elle défend contre les envahisseurs. La superficie du territoire est très variable et dépend des types de proies disponibles et de leur abondance. Lorsqu'une meute pénètre dans un territoire étranger, il s'ensuit des combats qui se soldent souvent par la mort de certains membres du groupe.
Dans la hiérarchie, les loups subordonnés sont souvent rejetés par la meute. Dans ces cas, les loups solitaires peuvent trouver des partenaires et rechercher des territoires inoccupés où ils peuvent établir de nouvelles meutes. L'habitude de chasser en bande a entraîné l'établissement d'un système complexe de comportements sociaux. Le loup est un animal sociable. Non seulement chasse-t-il en groupe, mais il passe presque toute sa vie avec d'autres loups. Certaines études sur le loup en captivité montrent que la meute possède une structure sociale très hiérarchisée, dont le noyau est composé d'un mâle et d'une femelle qui dominent les autres membres du groupe familial. Le loup dominant tient sa queue haute, ses pattes droites et il hérisse sa crinière. En sa présence, tout animal subordonné se blottit au sol, les oreilles rabattues ou, s'il est debout, se tient la queue entre les pattes et affiche une attitude craintive. Les liens de la meute se resserrent en hiver au moment des déplacements et des chasses. L'été, lorsque les louveteaux sont encore petits, les adultes s'absentent rarement pour de longues courses. Il leur arrivera d'aller chasser en groupe, après s'être rencontrés à la tanière ou au lieu de rendez-vous où les petits sont surveillés. Les principales proies des loups sont les gros mammifères comme le cerf, l'orignal, le caribou, le wapiti, le bison et le bœuf musqué. Les loups peuvent aussi se nourrir d'une variété de petits mammifères et d'oiseaux, mais ceux-ci ne constituent habituellement qu'une partie de leur régime alimentaire. Le loup doit dépenser beaucoup d'énergie pour trouver sa nourriture. Diverses études démontrent qu'il chasse en 29 fois sur 10 le gros gibier. En hiver, il abat ordinairement un animal âgé ou un jeune, mais lorsque le nombre de proies diminue, la prédation touche les animaux de tous âges, et un animal n'est parfois tué qu'au prix des efforts de la meute entière. L'été, le menu du loup est souvent composé de jeunes proies nées au cours de l'année et donc plus facile à capturer. Les scientifiques peuvent observer le comportement du loup quand il chasse en hiver. Ils le suivent à la piste ou en avion, à l'aide d'émetteurs radio. Récemment, on a utilisé une nouvelle technique de pistage par collier relié à un satellite. Le cycle de reproduction des loups diffère de celui des chiens. Le chien mâle peut se reproduire en tout temps de l'année et la femelle tous les 6 mois. Les loups vivant à l'état sauvage ne peuvent se reproduire qu'une fois par année. En captivité, le loup peut féconder plusieurs femelles. La période d'accouplement varie selon la latitude, mais elle survient le plus souvent en mars et en avril. Après 9 semaines de gestation, ou grossesse, une portée de 5 ou 6 petits, quelquefois de 8 ou plus, voit le jour. En général, le loup atteint sa maturité sexuelle au cours de sa seconde année. Il arrive que de plus jeunes loups soient aptes à la reproduction, mais cela est exceptionnel. Une bande comprend parfois plusieurs femelles adultes en âge de se reproduire. Le loup était autrefois diffamé. En Occident, la peur et la haine du loup se sont longtemps reflétées dans des contes tels que « Le petit chaperon rouge » et « Le garçon qui criait « au loup ». Dans ces récits populaires, le loup a la réputation d'être non seulement un maraudeur, mais aussi un tueur de bêtes et d'humains. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.